La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Et salut tout le monde, c'est Brice. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et oui, après plus de 130 épisodes sur Zelda Breath of the Wild que nous n'avons toujours pas fini à l'heure actuelle, nous sommes sur sa suite Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Je viens de l'avoir le jeu, je suis trop content. Depuis le temps que j'attendais. Du coup, nous sommes avec Link et la princesse Zelda. Bah, je sais pas trop où ce qu'on nous sommes parce que je tiens à vous dire que j'ai pas vu les derniers gameplay, enfin les derniers trailers et les derniers Nintendo Direct du jeu parce que j'ai pas envie de me spoil le jeu, le gameplay, tout ça. Je préfère avoir ma petite découverte comme à l'époque avec Breath of the Wild où j'ai tout découvert du jeu. Bon, après, quand je vous ai fait le let's play, je le savais. Bon, voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes... c'est sous le sol du château d'Hyrule. Ok. On sait qu'on avait des sous-sols, mais pas aussi... Voilà. C'est magnifique, les gars. Mon Dieu. Putain. C'est dingue. C'est dingue. J'y reviens même. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Allons-y. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe sous ce château d'Hyrule? Mon Dieu. Alors que dans Breath of the Wild, on savait qu'il y avait juste Ganon qui était au château, qui était garde au château et tout, qui avait fait, on va dire, le gros bordel. Mais là, quand même... Waouh. Mon Dieu, c'est... Je sais que tous les gros youtubeurs vont faire ce jeu. Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol? Ouais, je sais pas. Ah. Link. Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Bon, déjà, j'ai même pas fait gaffe, mais nous avons la lame purificatrice. Bon, déjà, ce qui est curieux, vous voyez la barre de vie? Nous avons tous nos cœurs. Il n'y a pas des trucs... Par contre, là, les gars, je vous dis, on est parti pour une aventure de folie.
Tiens, il y a des espèces d'œufs. Est-ce qu'on peut faire... Ah ouais, on peut toujours faire ça. Ok. Examiner. Ah, c'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation... Zono? Peut-être. Oh, il y a même des toiles d'araignée et tout. Cette sculpture. Oui. Dans ce qui se trouve ici, ce fait que confirmer ce que je sais sur les zones. La civilisation Zono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle fleurissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. What? What the fuck? Du coup, on... Il y avait un autre peuple avant nous. Wow. Même avant les Sheikas. Wow. Même avant les... Alors ça veut dire que... Le peuple... date d'avant Skyward Sword alors. What the fuck. Admirons ces sculptures. Ah, ces statues... représentent-elles des Zono? Regarde la taille de leurs oreilles. Ah ouais, j'avoue. Elles ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourquoi les vestiges d'une civilisation céleste se retrouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profond. Allons-y, Link. Donc ça veut dire que nous avons plus la tablette Sheikah. Parce que je me suis aperçu que c'était Zelda qui avait la tablette. Donc déjà, on voit que notre armure, elle est un peu plus pimpée. On a toujours notre tenue du prodige. Bah, vu que j'ai pas fait tous les autres Zelda, je... Voilà quoi. Je sais pas qui c'est ce peuple. Quoi? Il y a des manches juste ici. Laisse-moi faire. Oh, c'est juste des chauves-souris. Voilà. Tout va bien, Link? Oui, tout va bien. Mais ça me dit vraiment rien qu'il veuille. Ça me dit vraiment rien. Des fresques ici? Attends, t'aurais des gobelins, des beaux gobelins. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Le roi démon. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Oh non. What the fuck? Ce personnage ressemble au statue de tout à l'heure. C'est un Sonao. Sonao? Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation. Les Sonao seraient descendus du ciel. Pourquoi ça se dit Sonao alors que ça s'écrit Sono? Sonao. Moi je lui dis Sono, moi comme connard. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre
pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tiens, cet homme dit quelque chose. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proua qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Donc non, c'est pas la tablette Sekka, c'est une autre tablette. Ok. Je croyais que c'était une tablette Sekka, mais non, c'est... autrement. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Wow. Putain, c'est vraiment très intriguant. Du coup, le roi démon, je pensais à quelqu'un, mais je ne vais pas en dire plus. Ouais, ça me dit vraiment quelqu'un. Bon, vu que j'ai pas fait les Zelda les plus importants, comme Ocarina of Time, Twilight Princess, etc. Mais ouais, ce roi démon... Ouais. J'ai même pas fait, pour vous dire, j'ai même pas encore fini à l'heure actuelle Skyward Sword. Mais bon. Attends, j'ai envie de voir. Non, nous n'aurons pas la tablette. Ah, nous avons aussi toute notre barre d'endurance. Attendez, j'ai vraiment envie de voir. Ah ouais, d'accord. On a vraiment pas de slot d'inventaire pour l'instant. Ok. C'est vraiment ce que je voulais voir. C'est impressionnant. Plus ça, puis on voit des miasmes. Plus ça, puis ça s'intensifie, j'ai l'impression. Plus c'est... De 1, c'est sombre, et de 2, c'est effrayant. Et cette musique qui ne... Pour tout vous dire, le seul trailer que j'ai vu de Tears of the Kingdom, c'est le tout premier trailer, le trailer d'annonce et deux autres trucs. C'est tout. Par contre, ça va très très loin. Comment ils ont fait pour... What the fuck, man? Oh là 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 là. Voici l'endroit où il y avait la présence. Oh, quelle est cette lumière verte? Je perçois une présence inquiétante. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence et de mise. Un instant. Très bien. What the fuck, man? Déjà, on voit le miasme. Et une lueur verdâtre qui devient bleue. Et est-ce le pouvoir du sceau? Je sais pas. Je n'ai aucune idée.
Donc allons-y. Vas-y. Avec une très très grande prudence. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Qu'est-ce que... On dirait la même lueur que le pouvoir du sceau qui avait éveillé Zelda. Oh mon dieu. Du coup, le château il est encore en ruine, ouais. Il a pas été rebâti. What the fuck? Tu vas bien? Oh non. Heureusement qu'on est lié avec une grande prudence. À moi qui pensais à cette fameuse personne, en fait c'était pas celle-là. Ah, cette fameuse main. Qu'est-ce qui vient de se passer? Te voilà réveillé, Link.
Bien sûr. Après ce qui vient de se passer. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Qui me parle? Qui êtes-vous? La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ma tenue du prodige, elle est où? Allô? Ma tenue du prodige! Elle est où? Je peux pas continuer sans elle. Je suis un prodige après tout. Mais où sommes-nous? What the fuck? Oh, mon épée de légende! Ma lame. Bon, elle a pris cher tout à l'heure. Ah ouais. Ah. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasme dans le sous-sol du château d'Hyrule. Attaque rapprochée. Donne un coup avec la lame, avec l'arme équipée. Wow. On a vraiment perdu tous nos cœurs, tous nos fringues. Mais pourquoi? Pourquoi nous avons mérité ça? Perplexe, perplexe. Ah non, y'a rien. Pourquoi notre pauvre lame? Oh, wait. Examiner. Ah. Ne serais-je pas chez Zanao? Est-ce que entre guillemets, notre nouveau bras ne serait-il pas le nouveau pouvoir, enfin, entre guillemets, le nouveau pouvoir? Par contre, est-ce que c'est toujours possible de grimper? Je suis sûr qu'il y a des trucs de cachés. Non, je peux pas grimper. Sauter. Hop. Et on a perdu toute notre endurance, je viens tout juste de capter. What the fuck? Wow, 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 wow. Saut de l'ange. Si vous tombez de...
Dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Ok, bah c'est une bonne nouvelle. Ah ah! Une vieille spartiate, what the fuck? Ah, l'inventaire est pas le même. N'y aurait-il pas un autre coffre? Je suis sûr qu'il y a un autre coffre quelque part. Ah, j'ai pas la longue vue. On peut toujours s'accroupir pour être discret. Non. Bon, bah, allez voir ça. Peut-être qu'il y a un autre coffre par là. Allons-y. Allons-y, allons-y. Wow. Nous sommes dans les... Là, c'est la montagne de la mort. Quoique... Comment ça sauter? J'ai peur de tomber, moi. Non, mais ça veut dire qu'on n'est plus notre paravol. Zelda, Tears of the Kingdom. Oh yeah. Ah ouais, c'est un tout nouveau monde qui s'offre à nous. Ah ouais, quand même. Wouah. C'est magnifique. Par contre, il y a un dragon là-bas. Île céleste du prélude. What the fuck? Il y a des pommes. Orbe d'énergie, Zanao. Ah, c'est ça les Zanao, d'accord. Cœur de golem soldat, ok. Bon, du coup, nous avons toujours notre épée, mais son pouvoir tarit au fur et à mesure.
Ok. C'est quoi ça? Examiner. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te mettre ceci. Oh, sa tablette. Il s'agit de la tablette Prua, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. On dirait vraiment une Nintendo Switch quand même. Tablette Prua. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer utiles au cours d'une aventure. Ok. Voilà, Link. Je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la tablette de la carte. Je n'ai pas d'autres informations. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut y voir au loin est le temple du temps. C'est là où se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. La recherche de la princesse. Quête principale. Ok. Matériaux, ouais. Par contre, j'ai pas récupéré toutes les pommes à cause de l'autre golem là. On va y retourner. J'espère qu'on va pouvoir augmenter notre endurance et nos vies plus tard. Hop. Ah, par contre, c'est la carte. Wouah, c'est grand! Ah, du coup, c'est là-bas qu'on doit se rendre la prochaine fois. Ok. C'est immense. Champi céleste. Ce champi typique des îles célestes pousse souvent près des arbres et restaure l'énergie vitale. Ouais, c'est comme les champis d'Hyrule, quoi. Qu'on a bien connu. What the fuck? C'est... Je suis émerveillé comme la première fois que j'ai joué à Breath of the Wild. C'est dingue, j'ai le même sentiment. Ouf. Donc là, ça va... Est-ce que ça va me faire un pont si j'active ça? Exact. Ok. Donc ça, ça m'a bien fait un pont. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ta première visite en ces lieux? Si tu vas par là-bas, méfie-toi, les golems militaires
ne te regarderont pas passer sans rien faire. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre ces terres. Nos créateurs, les Anao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considèrent sans doute comme une menace, affronte-les sans retenue, car eux ne te retiendront pas. Un conseil, si je peux me permettre, face à de tels adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard, assure-toi de les cibler et les maintenir. Ok. N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux t'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas, hein, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bâton. Y'a que des pommes là-dedans? Ouais. Ok, donc lui, c'est notre assistant. Je te le redis, prends garde. Ok. Donc là, si on saute là, on est automatiquement. On rejoint en dessous. Ok. Mais bon, il y a tellement de trucs. Je pense qu'on va passer une éternité là-dedans. Ça, c'est obligatoire. Ah, il y a plusieurs robots assistants. Ok. What the fuck? Ouais, je pense qu'on va passer une éternité là-dedans. C'est affligeant. Tout ce qu'il y a à découvrir sur ces îles. Ouais. Donc là, il y a un bâton. C'est tout. Ok. Là, y a... Ah, la fameuse jauge de chaleur. Enfin, de température. Par contre, la carte, j'ai l'impression qu'elle a été améliorée. Je sais pas. J'ai l'impression. Donc, bah, du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, ouais, c'est le bon moment de s'arrêter là. Donc, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir de mettre les pouces bleus. Mais mettre les pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir parce que là, c'est une aventure. Là, ça va être la plus grande aventure de la chaîne, là, pour l'instant, parce que on a eu Breath of the Wild, qui est terminé, enfin, où l'histoire principale est terminée, et là, nous avons Tears of the Kingdom. Donc là, ça va remplacer Breath of the Wild, qui était la série phare de la chaîne. Là, c'est Tears of the Kingdom qui va être là, le fil rouge, où je vais pouvoir discuter et tout. Enfin, bref. Ah, ça m'a manqué, une série comme ça, mais franchement, n'oubliez pas. Les pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de partager un maximum, parce que je compte sur vous, parce que c'est la série que j'attendais le plus cette année. Elle est enfin arrivée. Et oui, je sais que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de séries sur la chaîne. Mais là, je pouvais pas faire autrement. Parce que quand j'ai démarré Breath of the Wild, parce qu'il y avait eu l'annonce de Tears of the Kingdom, j'ai fini Breath of the Wild, enfin le principal. Et là, Tears of the Kingdom arrive au bon moment où j'avais vraiment besoin. Et là, franchement, Zelda Tears of the Kingdom, ça va être la série principale, la série fil rouge. Voilà. On va se retrouver plusieurs fois par semaine. Ça c'est vraiment important. Parce que ça va être ma série qui va me rebooster parce que j'en avais besoin. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis merci à tous. N'oublie pas, comme je vous l'ai dit, de massacrer cette barre de pouces bleus parce que je compte sur vous. Donc je sais plus combien de pouces bleus avait fait Breath of the Wild, mais n'hésitez pas à massacrer le bouton de pouce bleu parce que ça ferait plaisir. Et de vous abonner à la chaîne parce que faut pas louper surtout la suite de cette aventure qui arrivera donc demain ou après-demain, je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Mais comptez sur moi d'être le plus présent possible pour cette aventure. Allez, sur ce, moi je vous portez au bien et à la prochaine. Ciao ciao.